Aujourd'hui, nous allons préparer une épaule de veau cuite à basse température sous vide avec le four de la Touchline modèle EKF1111TC. Tout d'abord, laver, éplucher et couper en petits morceaux les légumes. Puis massez la viande avec vos mains en faisant absorber le sel et le sucre, puis mettez la viande, les légumes et le romarin dans le sachet sous vide. Aspirez l'air contenu dans le sachet et scellez-le. Mettez au four pour la première phase de cuisson à 75 degrés pendant 5 heures avec une humidité à 100% et les ventilateurs à 3. À la fin de la cuisson, sortez la viande du four et faites descendre la température jusqu'à une température de plus 3 degrés en laissant la viande dans son sachet avec son jus de cuisson. Maintenant, ouvrez le sachet. Passez au mixeur les légumes avec le jus de cuisson en y ajoutant quelques gouttes d'eau et assaisonnez en ajoutant du sel et du poivre si nécessaire. Chauffez la sauce dans une petite casserole en la portant à ébullition et en l'épaississant avec un peu de farine si besoin. Coupez la viande en tranches d'environ 1,5 cm. Et régénérez-la au four à une température de 80 degrés pendant 5 minutes avec les ventilateurs sur 1 et une humidité de 20%. Servez les tranches de viande dans le plat. Nappez-les avec la sauce de cuisson et accompagnez-les de légumes au four. Un savoureux plat de viande très tendre qui émerveillera vos invités.